Bienvenue messieurs dames dans Rex Tuto Gamer 62. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo dans... Alors attendez, je vais choisir. Allez, comment mettre à jour sa carte mémoire, c'est-à-dire Intel. Alors déjà, vous allez aller sur Internet, bien évidemment. Alors, Google. Il vous marquait le... le nom de votre carte mémoire, bah, le fabricant, moi c'est Intel. Intel. Alors Intel, on marque. Ok. Non, c'est juste pour la vidéo que je ferai peut-être. Bon, par contre, ça affiche peut-être. Alors, Intel. Non, je vais pas regarder l'annonce. Voilà. Alors normalement il y a une application qu'on doit installer. Voici comment installer une application. Merci. C'est un peu vite. J'aurais dû mettre la vidéo là, tu vois. Alors, normalement, espace de téléchargement Intel. Non, ça fait longtemps que j'ai pas été, je m'en souviens plus. Alors pilote et logiciel, alors c'est pour mettre à jour votre pilote. Être produit, c'est quoi, c'est quoi? Bon, démarrer, on va faire. Là, là, là. Voilà. Je vais pas demander un truc, télécharger maintenant. Voilà. Alors, vous cliquez, bah, vous faites tout ce que je viens de faire. Après, vous faites télécharger maintenant. Bon. Pour envie de donner mon avis, non. Télécharger maintenant. Vous faites enregistrer. Vous attendez que le téléchargement se fasse. En moi ici c'est une c'est pas une trop connexion de merde. C'est un petit peu. Vous attendez, hein, et normalement ça va faire exécuter. On attend. Voilà, exécuter. Et on va quitter ça. Hop là. On attend. Et normalement, il y a un truc qui va se. Ah bon voilà. Alors j'accepte. Vous cliquez sur j'accepte les machins. Alors voilà, quand vous lancez une application, c'est comme ça que ça se passe. alors normalement vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que si je fais oui, je pense pas, parce que quand je regarde les tutos, ça se fait pas non plus. Voilà. Alors faut attendre. Bon, je mets je mets en pause ou je mets pas en pause. Bon, si se dépêche. Bon, je m'en pose, dès qu'elle est finie, j'enlève la petite pause. Allez, messieurs, dames, à tout de suite pour la suite. Waouh, ça avance. Alors, messieurs, dames, je savais pas si ça allait avancer. Dès que ça avançait, je l'ai mis. On attend que ça se passe. Et voilà, quand ça bug, il doit s'installer. Ça marche. Dégage. Voilà. Bon, c'est ça le petit bug. Allez, je messieurs dames, désolé, je remets en pause. À moins qu'il dépêche. On ne va pas se dépêcher. Allez, je remets en pause, à tout de suite, dès que c'est fini. J'espère que ça va se dépêcher. À tout de suite. Alors là, vous vous demandez ça. Nous avons un... Alors, vous faites accepter. Et juste parce qu'en fait, il y a un truc qui s'affiche. J'ai vu. Voilà. Hop, hop, hop. Attention, messieurs dames. Ça, ça bloque un petit peu là-bas. Et regardez. Regardez, il s'apparaît juste ici. Et on va lancer l'application. Lancer. Et là, il me demande encore quelque chose. Vous faites oui. Et là, il va se lancer. Alors, j'espère que vos tutos vous plaît. Si vous en voulez plus, vous m'en dites. Si vous voulez des tutos spéciaux, vous me l'envoyez. Sur quoi vous voulez que je fasse. Si vous voulez que je vous le fasse sur des trucs, vous me dites. On attend qu'il s'ouvre. Voilà. Ah, vous faites. Pourquoi c'est pas en français? Je fais français. Il n'y a pas. Français. Non, English. Français, voilà. C'est. Voilà. Parce que moi, l'anglais. Hein. Alors, démarrer la détection. Alors, il va chercher des pilotes, voir s'il y a des mises à jour. Alors c'est du pilote, hein, Intel. C'est pilote. S'il y a une mise à jour, bah vous pouvez la faire. Et en fait, ça améliore les performances de votre.
votre PC. C'est aussi pour améliorer les performances. Alors, je marquerai tuto comment mettre à jour son pilote et améliorer la performance de son PC. C'est un petit peu qui relie l'autre. Notre vidéo que je mettrai dans la description, comment optimiser son PC à fond. C'est un peu ça. Si vous faites ça, ça optimisera aussi votre PC. Et en même temps, ça fera la mise à jour. Après, je vais penser à un truc comment... comment mettre à jour son Windows. Je vais faire la vidéo après. Alors c'est très long parce que faut qu'il regarde la version si elle est pas vieille. Ah. Et puis. Alors vous le voyez, description, hop. Alors, pilote le plus récent, vous voyez, hop. Graphique, et normalement quand vous cliquez dessus, voilà, normalement il y a. Non, pas aller. Ne pas cliquer là, voilà. À mon avis, si vous avez graphique, vous cliquez dessus. Bon, il y a rien à télécharger. Bon, bah, moi, le mien, il est à jour. Alors, Windows 10 64 bits. Et en fait, il s'enregistre là, automatiquement. Bon, bah, il n'y a rien. Il n'y a pas de mise à jour, moi. Bizarre, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Alors, comme vous voyez, normalement, vous avez téléchargé. Parce que j'ai que depuis, j'en aurais eu, mais non. Alors, bon, bah, voilà. Ouais, non, en fait, non. Alors, si vous avez un, normalement, il y a téléchargé qui se met en bleu, vous pouvez cliquer dessus, vous cliquez dessus, puis se télécharge. Ouais. Bon, bah, c'est la fin de ce petit tuto. On va voir si je vous dis, hein. Et c'est là que ça bug. Le qui bat la mort. Normalement, dans Ancien Pilote. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je ferai aussi comment contrôler son PC à distance. Allez, messieurs, dames, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!